Si certains n'ont eu aucun scrupule à piller le travail d'autres auteurs, il en est à l'inverse qui sacralise tellement un texte qu'ils n'osent même pas s'en approcher. Et dans les chansons estampillées sacrées, « Seras-tu là ?» de Michel Berger arrive en bonne place. Quand nos regrets, seras-tu là ? Lorsqu'en 1975, Michel Berger chante « Seras-tu là ?», il est à une période charnière de sa vie. Véronique Sanson, son amour des débuts, l'a quitté brusquement 3 ans auparavant. S'il a refait sa vie avec France Gall, cette rupture l'a marqué et cela se ressent dans ses chansons. On est au summum, où on est dans la transcendance même de la chanson d'amour avec « Seras-tu là ?». Cette chanson devient à la fois une chanson d'intimité et en même temps, pour le public, c'est comme entrer par effraction dans une histoire qui ne nous appartient pas et qui nous appartient. Cette chanson, une artiste va y être particulièrement sensible. Françoise. C'est la magie de ce piano. Je joue des mélodies et il appelle... Moi, dès que j'entends des arpèges comme ça, je suis au ciel. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson? Je l'écoutais tout le temps parce que c'était vraiment la question, quand on est très, très amoureux de quelqu'un, c'est vraiment la question qu'on se pose, quoi, et qui vous angoisse. On a envie que ça dure toujours. Et donc voilà, j'écoutais ça et je ne sais pas si Jacques entendait que je l'entendais. Si, je crois, parce que ça l'énervait toujours. J'écoute tellement Michel Berger, donc il le caricaturait. Seras-tu là ? Il était jaloux. Non, je crois pas, mais... Cette chanson, jamais Françoise Hardy ne s'est imaginé la chanter ailleurs que dans son intimité. Jusqu'à ce jour de 2014. Julien Clerc me téléphone et me dit qu'il avait eu l'idée de reprendre « Seras-tu là ?» et qu'il aurait aimé que ça se passe avec moi. Et donc là, j'ai répondu à Julien, je crois que je ne vais pas pouvoir résister à la tentation. Françoise Hardy et Julien Clerc se connaissent bien. Et la chanson est destinée à figurer sur l'album des 20 ans du SIDAction, une idée de Pascal Obispo. La chanteuse accepte donc et se met à travailler d'arrache-pied pour pouvoir livrer une interprétation parfaite. Moi, ça faisait 15 jours que j'étais vraiment... que j'avais le trac déjà, à cause de la chanson. Quoi. C'est très difficile de s'attaquer à ce genre de chanson. Et donc, arrive le jour de l'enregistrement et aux aurores, Julien me téléphone et me dit « Je ne vais pas pouvoir... il va falloir annuler la séance parce que je suis... clouée dans mon lit avec 40 de fièvre. » Alors, comme le studio était réservé, je dis à Julien, tu m'as dit toi-même que tu voulais qu'on fasse chacun une voix intégrale pour choisir ce qu'il y aurait de mieux après dans chaque voix. Moi, je vais faire ma voix, j'y vais, je vais faire ma voix. Sans attendre, Françoise Hardy se rend en studio, seule, pour enregistrer sa version. Et quand nos regrets viendront danser, quelques jours plus tard, c'est au tour de Julien Clerc. Pour nos souvenirs inoubliables. Puis c'est Pascal Obispo qui se charge de mixer les deux interprétations. La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde-les. Je reçois le mix et là, j'ai été un peu déconcertée, mais le mot est faible. J'ai trouvé que ça n'était pas à la hauteur de la chanson. Voilà, quand un artiste, un chanteur, quel qu'il soit, reprend une chanson, il y a une envie de servir la chanson au mieux. L'idée, c'est de respecter absolument la mélodie,
et en même temps d'imprimer son, je dirais, son style. C'est là que l'exercice est délicat. Si c'est possible. Mais les reprises, oui, il faut tout d'abord qu'on puisse s'identifier à la chanson. Hein. Ça, c'est primordial. Ensuite, il faut qu'on ait un tout petit peu l'impression de pouvoir amener quelque chose, sinon c'est pas la peine. Déçue, Françoise Hardy les sans conteste. Quelques années plus tard, elle va s'y atteler de nouveau. Il s'agissait finalement de restituer la magie un peu intemporelle de cette chanson qu'il avait tant fait rêver et qu'il avait tant ému en 1975. Cette chanson, qui, il y a plus de 40 ans, a bercé ses jours et sûrement ses nuits, elle en livre aujourd'hui une toute nouvelle interprétation qui figure même sur son dernier album, Personne d'autre. Quand nos secrets n'auront plus cours pour nos soupirs sur le passé. On a tous des chansons qui nous collent au cœur, qui font partie de nos souvenirs les plus précieux.